pour répondre aux nombreuses commandes qui se sont accumulées pendant cette fermeture forcée liée au confinement, 124 salariés polonais sont arrivés hier pour prêter main forte temporairement dans l'usine PSA d'Ordin. Initialement, 270 travailleurs polonais du groupe PSA devaient se rendre en France. Mais les syndicats avaient dénoncé une mesure qui laissait de côté les contrats précaires des intérimaires français. C'est la double peine pour eux, parce qu'ils touchent du chômage partiel payé à 84%, donc une perte de salaire importante, et ils ne peuvent pas aller travailler ailleurs. Ils ne peuvent même pas aller travailler chez un autre patron, parce qu'il y a toujours un contrat entre eux, la boîte d'intérim et PSA. Cette mobilité est aussi compliquée pour les travailleurs polonais. Je ne pense pas que les travailleurs polonais viennent de bon cœur travailler à 1300 km de chez eux. C'est parce qu'ils n'ont pas le choix vu la faiblesse des salaires. Ce dispositif devrait fonctionner ainsi 3 mois pour honorer les commandes en attente d'environ 30 000 utilitaires. Il faut davantage de visibilité pour savoir si ce dispositif se prolongera dans le temps.